Bonjour, une fois n'est pas coutume, je vous accueille dans ma salle à manger pour vous parler de la pêche du silure aux appâts. Alors la pêche au silure aux appâts, moi je la pratique presque comme la pêche de la carpe, c'est-à-dire avec une logistique plus ou moins similaire en ce qui concerne les repas, détecteurs, le campement, tout ce qui va avec. Par contre, au niveau du matériel, il y a pas mal de choses qui changent, surtout qu'on va faire une pêche XXL. Donc déjà au niveau des cales, donc, il y a quelques temps j'ai mis au point avec Johnny Wheeling la Féline XT. C'est une canne à 11 pieds qui a une puissance de 5 livres. J'utilise aussi la Free Spirit, donc pareil, qui est une canne de 11 pieds, pareil avec une puissance de 5 livres. Et les deux ont une action au niveau du blanc qui est progressive. Donc en fait, elle nous permet soit de faire des déposes en bateau, faire des pêches du bord, et où elle nous permet de lancer. Donc ce qui est intéressant sur ce point-là, c'est qu'on peut la charger avec des plombs à 220 grammes et on arrive à faire des pêches de bordure un peu plus poussées, on va dire entre 60 et 80 mètres. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des cannes avec cette action-là, que lorsqu'on a des touches, elle permet aussi, par son action, de moins décrocher les poissons. Donc ça aussi c'est intéressant, c'est bien sûr aussi avec le montage qu'on va mettre en place après. Au niveau du moulinet, donc là aussi c'est du XXL, hein. Donc là c'est du pen, donc des moulinets très robustes que je garnis en tresse. L'avantage de ces moulinets aussi gros, c'est qu'on peut y mettre pas mal de tresses, donc en l'occurrence celui-là jusqu'à 400 mètres, voire même un petit peu plus. Donc je ne vais pas détailler le moulinet, il faut savoir qu'il faut des moulinets qui sont vraiment résistants, donc avec des manivelles pour avoir un confort au niveau du combat. Alors, au niveau des accessoires, pour garnir mon moulinet, j'utilise de la tresse donc, en 0,41 mm, celle-ci elle fait 30 kg. J'additionne à ça une tête de ligne, puisque dans le milieu naturel il y a pas mal d'obstacles. Et puis de parties qui, bien sûr, sont très chantes. Donc de diamètre, soit du 0,60 mm, et maintenant, dans 90% des cas, de la 0 à 70 mm. Alors la quantité, je mets 20 mètres. Comme ça me permet, lorsque je fais les combats, que ce soit du bord ou en bateau, lorsque le poisson s'approche donc de dessous le bateau, j'ai le nœud de la tête de ligne qui est déjà dans le moulinet. Ça évite les frottements intempestifs. Et puis en plus, j'ai la résistance directe de ma tête de ligne. Alors, dans ce corps de ligne, on va y rajouter le porte-plomb, une partie essentielle, puisqu'il faut qu'elle soit résistante. Du moins, il faut qu'il soit résistant, puisqu'on va utiliser souvent des gros plombs pour pouvoir lancer ou quand on dépose un bateau. Et après, l'autre facteur aussi de sa résistance, c'est que souvent on utilise des cailloux, quand c'est possible, pour permettre, lorsqu'il y a une touche, mais que le plomb ou le caillou se libère facilement. Alors pour ce faire, les porte-plombs, ils sont munis d'un petit trou, avec un petit clou qu'on met qui va se fixer sur l'émerillon. Donc j'enchaîne sur les émerillons. Les émerillons, en fait, on utilise ceux que vous utilisez vous pour la pêche de la carpe, hein, c'est-à-dire ceux qui ont un quick change. Vous le verrez plus tard par rapport à mes bas de ligne. Et le fait que le porte-plomb est fixé, et bien vous l'aurez compris, on pêche tout le temps avec des montages fixes. Donc ça permet mécaniquement parlant de libérer le plomb, comme je vous ai dit, lorsque celui-ci, bien sûr, est pris dans les obstacles, et quand on pêche au caillou, de libérer plus facilement l'élastique. Voilà pour cette partie-là du corps de ligne. Au niveau des bas de ligne, alors là, c'est pareil, on va rentrer un peu dans de l'XXL, là ça va être un peu loin de ce qu'on utilise pour la carpe, même très loin, puisqu'au niveau des bas de ligne, eh bien, on part du 50 livres jusqu'à 80 livres, voire 100 livres. Le seul souci qu'on a des fois, c'est que dès qu'on monte un peu comme du 80 livres, etc., dans le marché actuel,
c'est que le ratio avec le diamètre de la tresse, elle est très importante. Donc après, pour faire nos montages, en l'occurrence, le montage du nœud sans nœud et la boucle pour fixer l'appât, eh bien, on a des gros nœuds et souvent ça peut fendre l'appât ou alors il faut utiliser une vrille. Donc là, actuellement, je teste depuis plus d'un an un produit assez intéressant. Alors, il est destiné pour la pêche en mer. C'est une tresse qui a une forte puissance puisqu'elle arrive pratiquement à 100 kg et elle a vraiment un diamètre relativement fin. Donc ça permet de faire des montages assez propres. On peut voir là sur le montage du nœud sans nœud, c'est assez sympa. Et en plus, comme moi j'utilise sur tous les montages des stop flottes, donc pas forcément de gros diamètre, des stop flottes classiques pour la pêche de la carpe, il passe correctement sur ce diamètre là de tresse. Alors sur les bas de ligne, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'utilise principalement deux présentations des appâts. C'est-à-dire soit l'appât posé sur le fond, soit un appât équilibré. Ça, c'est vraiment ma règle et c'est pratiquement toutes mes pêches sont faites comme ça. Donc par rapport à la taille des appâts, il y a le choix de l'hameçon. Le choix de l'hameçon, il vient, soit j'utilise un hameçon 1-0, mais le maximum de la taille des hameçons que j'utilise, c'est du 2. Donc là, on peut voir la différence entre les deux. Je prends les deux extrêmes. Et c'est un rapport, bien sûr, eh bien, avec l'appât qu'on va utiliser. C'est exactement comme pour la pêche de la carpe. Donc j'aime bien que la longueur de mon bas de ligne, lui, c'est pareil. Il va être en fonction soit de la partie que je vais pêcher, c'est-à-dire si elle est vaseuse ou si elle est dure. Des fois, les poissons, ils sont un peu moins mordeurs que d'autres, mais ils sont curieux. Donc là aussi, la longueur du bas de ligne peut jouer, surtout sur l'autoferrage. Et il faut savoir qu'au niveau des appâts, j'ai remarqué que plus on utilisait un hameçon gros, et ça ne voulait pas forcément dire que le silure était bien accroché en pêchant avec des appâts comme ici des dumbbells. Donc le ratio taille de l'appât et de l'hameçon est vraiment à prendre en compte. Donc comme je vous ai dit, sur des dumbbells comme ça, de cette taille-là, 1-0 suffit largement. Pas besoin de rentrer avec des hameçons beaucoup plus gros. La présentation, comme je vous ai dit, j'en utilisais principalement deux. Donc c'est le dumbbell posé sur le fond. Ensuite, le montage équilibré. Là, c'est comme pour la carpe, un appât flottant et un appât dense. Après, bien entendu, il faut avoir plusieurs cordes dans son arc. Donc, mon ami Jérôme, qui est vraiment un spécialiste lui, de la pêche à la pop-up, il a mis vraiment en application cette pêche. Avec une pop-up, un montage classique bien sûr renforcé puisqu'on ne s'adresse pas au même poisson, et suivant des situations, c'est vrai que ça nous a sorti des fois des poissons qui n'étaient vraiment pas mordeurs. Et je ne sais pas si c'est l'effet leurre, si c'est la curiosité qui a fait que les touches se sont enclenchées. Donc c'est intéressant de pouvoir aussi des fois avoir des présentations avec un pop-up. Donc vraiment, moi je l'utilise très très peu, je suis honnête avec vous. Et puis plus récemment, vous savez que sur la pêche de la carpe, par rapport à leur méfiance, on aime bien utiliser des appâts tout près, équilibrés, souvent qui sont bourrés d'attractants. Et depuis peu, donc sur le développement des appâts, dont je vous en parlerai sur la seconde partie, on est en train de mettre en place un appât équilibré, qui va être bourré également lui d'attractant, mais comme là on est sur les montages, je ne vais pas aller plus loin sur ce détail. Ce qui est intéressant, c'est que sur les zones qui sont semi-molles, ou on va dire semi-dures ou vaseuses, cet appât il reste pêchant puisqu'il va se déposer sur la surface du fond, et c'est uniquement l'hameçon, le poids de l'hameçon qui va l'équilibrer. Pas besoin d'avoir de plomb ou autre, il va être vraiment discret. Il va vraiment rentrer correctement et vraiment se piquer correctement dans la bouche. Donc c'est vraiment une présentation vraiment intéressante. Et puis ça se conjugue un peu dans ce que je vous disais,
puisque l'appât que j'aime bien utiliser de plus en plus, c'est vraiment l'appât équilibré, donc avec une pop-up et un appât dense. Parce qu'il faut savoir que le silure, il ne mange pas comme les carpes. Donc lui, il va prendre son appât à 50 cm du fond, la plupart du temps. Il ne va vraiment pas aller le chercher sur le fond comme une carpe. Donc il va aspirer une grande surface, et c'est l'appât, bien sûr, qui va aller le plus près de sa bouche, qui va être vraiment bien piqué. Donc automatiquement, un appât qui est allégé, ben, il va monter plus vite qu'un appât dense. Et du coup, il aura tendance à se piquer mieux aussi par rapport à ce que je vous disais, la taille de l'hameçon. Souvent, l'hameçon, s'il est trop gros, eh bien, en fait, l'appât, il n'est pas forcément bien piqué. Et quand il recrache, l'hameçon, il ressort. Mécaniquement parlant, alors, on n'a pas de vidéo vraiment pour l'instant du silure qui montre, comme ce qu'on peut voir pour la carpe, l'aspiration du silure. Mais honnêtement, il y a vraiment de quoi faire. Donc, comme vous pouvez le voir, un petit peu sur la table, au niveau des accessoires, actuellement sur le marché, il n'y a pas d'entreprise qui a vraiment cherché à développer tous ces produits qui seraient vraiment adaptés à la pêche du silure. Donc on est obligé un peu de prendre ce qui se fait chez les uns et chez les autres, et d'adapter, par exemple, la pâte plombée. Souvent, comme les appâts sont déjà plus gros, les hameçons ne sont pas forcément plus lourds pour pouvoir équilibrer, on est obligé d'utiliser les vieilles chevrotines de l'époque. Qu'on additionne de la pâte plombée. Au niveau de ce qui se fait, qui est pas mal, ils appellent ça les sinkers, c'est pour poser le bas de ligne sur le foin. C'est pareil, les tailles ne correspondent pas mais avec nos grosses tresses. Hein. Donc là aussi, il y a vraiment de la recherche à faire. On arrive à trouver des produits sympas comme les gaines pour tenir les coups de change. Donc ça, par contre, c'est vraiment bien, puisque pour le moment, on arrive à trouver des coups de change, des émerillons, en fait, qui sont vraiment costauds, qui le cru, puisqu'avec ces émerillons, j'ai fait des poissons de plus de 2,60 m, hein, avec des poids de plus de 100 kg. Donc la résistance est vraiment incroyable, à savoir que d'habitude, on l'utilise pour la carpe. Par contre, dans le domaine des hameçons, il faut vraiment gratter un petit peu partout, et on arrive à trouver pour le moment des hameçons qui correspondent surtout au montage du nœud 102, qui est mon montage de prédilection pour cette pêche. Alors en conclusion, un hameçon fort de fer, la taille en corrélation avec l'appât, le bas de ligne résistant, c'est très important, et ensuite au niveau du porte-plomb, donc qu'il soit lui aussi assez résistant pour pouvoir utiliser des plombs de fort grammage ou la technique du caillou. Voilà, vous avez un panel de matériel que vous avez certainement l'habitude d'utiliser. Regardez ce qui peut être déjà intéressant pour cette pêche. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour la suite de cette séquence, la pêche des silures aux appâts.